Pensez à tout ce que vous avez touché pendant la journée. Toutes sortes de personnes ont touché à ces objets avant vous. C'est ainsi que se propagent les bactéries et qu'on tombe malade. Voici un moyen sûr d'éviter cette propagation. Lavez-vous bien les mains. Savez-vous comment bien vous laver les mains? Pensez tout simplement à vos mains. M pour mettre les mains sous l'eau. A pour ajouter du savon. I pour il faut prendre son temps. Frottez-vous les mains pendant 20 secondes, soit le temps nécessaire pour chanter deux fois bonne fête. N'oubliez pas de bien laver entre les doigts et sous les ongles. N pour ne pas oublier d'orienter les mains vers le bas pour rincer le savon. S pour sécher entièrement les mains. Maintenant, comment reconnaît-on un savon de bonne qualité? Il doit bien mousser, déloger la saleté aisément, bien se rincer et surtout ne pas irriter la peau. Il existe aussi en formule non parfumée pour les personnes sensibles aux odeurs. Si le savon utilisé dans votre milieu de travail ne correspond pas à ces caractéristiques, demandez au gestionnaire de l'immeuble de s'informer sur le savon moussant pour les mains Vertugo. Le savon moussant pour les mains Vertugo de Wood Wyant porte la certification Eco Logo. Il convient donc particulièrement si vous cherchez à obtenir la certification LEED ou BOMABES pour votre immeuble. En plus, il vous permet de contribuer à la protection de l'environnement et de vous montrer socialement responsable en tant qu'entreprise. Rappelez-vous ce que vous avez appris tout petit. N'oubliez pas de dire s'il vous plaît et merci et de laver vos mains souvent et à fond pour rester en santé. Vos amis, votre famille et vos collègues vous en seront très reconnaissants.